En psychologie, la triade noire représente trois traits de personnalité. Le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme. Si on leur demandait à tous les trois qui a la personnalité la plus sombre, le narcissique répondrait « moi ». Le psychopathe répondrait « je m'en fiche ». Et le machiavélique, c'est qui je veux que ce soit. Les personnes possédant un score élevé pour ces trois traits sont plus susceptibles de commettre des crimes et de créer de graves problèmes dans la société, les familles et les organisations. C'est pourquoi les recherches sur la triade noire sont largement utilisées par les services de police, les psychologues et les entreprises. Voici un aperçu de ce que nous savons. Le narcissique fait preuve d'une grandeur d'âme, de prétention et de supériorité et ne veut rien d'autre que l'admiration. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, le narcissique s'intéresse rarement aux autres. Lorsqu'il s'y intéresse, c'est pour rehausser son statut, ce qui explique qu'il aime se mêler à ceux qui réussissent. Les narcissiques donnent l'impression d'être éperdument amoureux d'eux-mêmes. Mais à la base de leur ego démesuré se trouvent souvent des sentiments d'infériorité profondément ancrés. Pour protéger le moi qu'il s'est construit, il ne peut jamais admettre qu'il a tort. C'est pourquoi il ment ou rejette la faute sur les autres. Les machiavéliques n'ont pas de principes, sont froids et ont une vision cynique des autres êtres humains. Ils aiment l'argent, le pouvoir et la victoire, et utilisent la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent ou exploiter les autres. Si la manipulation ne fonctionne pas, ils volent ou trahissent. Les personnes situées à un niveau élevé du spectre pensent qu'il vaut mieux être craint qu'apprécié et offensent les autres pour les contrôler. En tant que psychopathe, vous êtes froid et les autres vous trouvent effrayant. Vous éprouvez peu ou pas de peur, vous agissez de manière impulsive et vous aimez les émotions fortes. Les personnes qui se situent à un niveau élevé du spectre ne nouent pas de lien affectif. Il en résulte une absence totale de compassion. Cela signifie qu'ils n'ont aucun problème à être méchants. Si quelque chose de terrible se produit, ils n'éprouvent souvent aucun remords ni aucune culpabilité. Les recherches montrent que les hommes sont plus enclins à présenter ces personnalités que les femmes. Et bien que ces trois personnalités soient empiriquement distinctes, elles se recoupent. Cliniquement, le narcissisme et la psychopathie sont considérés comme des troubles mentaux, pas le machiavélisme. Quant à savoir si l'environnement ou l'hérédité est responsable de ces traits, des études de jumeaux y ont répondu en partie, en montrant que le narcissisme et la psychopathie ont des composantes génétiques considérables. Le machiavélisme semble moins répandu chez les jumeaux. Toutefois, l'environnement joue également un rôle. Un psychopathe peut non seulement transmettre ses gènes, mais aussi influencer un enfant en lui servant de modèle. Un père machiavélique partage avec son fils non seulement du matériel génétique, mais peut aussi lui montrer toutes ses astuces. Le fils d'un narcissique ne reçoit pas seulement les chromosomes de son père, mais peut aussi faire l'expérience de son perfectionnisme. Les trois personnalités sont corrélées positivement ou négativement avec les cinq grands traits de personnalité, aussi appelés océans. Les narcissiques et les psychopathes sont souvent ouverts aux nouvelles idées et extravertis. Les psychopathes et les machiavéliques sont peu consciencieux. Les trois types de personnalités ont un faible niveau d'agréabilité. Et les psychopathes ne sont guère névrosés. Quoi qu'il arrive, ils restent impassibles. Une explication évolutive de ces traits pourrait être la stratégie sexuelle. Beaucoup d'entre nous aspirent à une vie lente, s'investissent dans des relations à long terme, ont quelques enfants et consacrent du temps à l'éducation des enfants. Les traits de la triade noire ont peut-être survécu parce qu'ils cherchaient à optimiser une vie rapide. Leurs ancêtres vivaient dans un monde imprévisible et dangereux. Leur espérance de vie étant plus courte, ils recherchaient de nombreux partenaires sexuels, ne se souciaient pas d'élever leurs enfants et ne s'investissaient pas dans les relations humaines. Cela peut également expliquer pourquoi ils s'épanouissent dans des environnements compétitifs, tels que les entreprises. Un machiavélique peut y utiliser le charme et les insultes pour manipuler les autres. Le narcissique, son apparence physique, et le psychopathe, les menaces physiques. Étant tous dépourvus de compassion, ils se hissent au sommet aux dépens des autres.
C'est peut-être pour cela que ces trois traits de caractère sombre sont bien nombreux en haut de la hiérarchie. Mais il y a aussi des inconvénients. Si votre esprit a été programmé pour être impulsif, agressif et égoïste, vous êtes également plus susceptible d'abuser de drogue, de vous sentir exclu, de souffrir de dépression ou de finir en prison. C'est pourquoi nous pouvons non seulement trouver des moyens de nous protéger de ces esprits plus sombres, mais aussi faire preuve d'empathie à leur égard. Après tout, ils n'ont peut-être pas choisi d'être ainsi. Et vous, avez-vous hérité de certains traits de la triade sombre? Et si c'est le cas, et si vous en êtes conscient, avez-vous développé des stratégies pour y faire face? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et lisez la description pour en savoir plus et trouver des liens, des sources et des informations pertinentes. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com/sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com.